Montréal, une ville riche en histoire et en culture vibrante. Ces dernières années, les projets de développement urbain ont explosé, améliorant la qualité de vie de la ville. L'un de ces projets est Royal Mount, un ambitieux développement à usage mixte. Ce n'est pas qu'un autre centre commercial, c'est une nouvelle vision des espaces urbains. Royal Mount allie commerce, espaces résidentiels et équipements publics. S'étendant sur plus de 2,5 millions de pieds carrés, c'est l'un des plus importants développements immobiliers privés au Canada. Situé au carrefour des autoroutes 15 et 40, il est facilement accessible de partout en ville. Les promoteurs envisagent Royal Mount comme une ville dans la ville, offrant des expériences et des commodités diversifiées. Ce sera un lieu dynamique où les gens pourront vivre, travailler, magasiner et se divertir. Royal Mount est en passe de devenir une destination incontournable, remodelant la vie urbaine. Il établira une nouvelle norme pour les développements futurs à Montréal et au-delà. Ce projet est appelé à redéfinir le paysage urbain de Montréal. Royal Mount se distingue par son expérience multiforme. Au-delà du commerce de détail, il englobe un large éventail d'attractions. En son cœur se trouve une composante commerciale impressionnante avec des boutiques haut de gamme. Royal Mount aspire à être une destination culturelle et de divertissement. Reconnaissant l'importance des espaces publics, Royal Mount proposera des places et des parcs. Un aspect unique est sa composante résidentielle prévue, comprenant des condos et des appartements. Il créera un quartier vivant et piétonnier où les résidents pourront vivre, travailler et se divertir. L'ampleur de Royal Mount nécessite une approche de développement par phase. Cela garantit une planification minutieuse, une perturbation minimale et permet la rétroaction de la communauté. La première phase, axée sur le commerce de détail et le divertissement, est déjà en cours. Les visiteurs peuvent s'attendre à ce que les premiers magasins, restaurants et lieux de divertissement ouvrent bientôt. Les phases ultérieures élargiront l'offre du projet, notamment des unités résidentielles, un centre des arts de la Seine et un aquarium ultramoderne. L'approche par phase permet aux promoteurs de répondre aux demandes du marché et à l'évolution des tendances. Chaque nouvel ajout rapproche le projet de sa pleine réalisation. Cela suscite l'anticipation et l'enthousiasme, démontrant l'engagement du projet à créer une destination urbaine exceptionnelle. Royal Mount vise à captiver les résidents et les visiteurs. Ce projet est appelé à redéfinir le paysage urbain de Montréal. Les projets comme Royal Mount suscitent des débats et des inquiétudes. La congestion routière est une préoccupation majeure. La ville de Mont-Royal craint que cela ne pèse sur les infrastructures. Les promoteurs s'engagent à travailler avec la communauté. Ils mettent en œuvre des mesures pour atténuer la congestion. Cela inclut l'amélioration de l'infrastructure routière. Le développement urbain durable est primordial dans le contexte actuel de conscience environnementale. Royal Mount intègre des initiatives écologiques dans sa conception et sa construction. Les bâtiments sont conçus pour répondre aux normes de certification LEED, intégrant des mesures d'économie d'énergie. La conservation de l'eau est privilégiée avec des appareils à faible débit et des systèmes de récupération des îlots de pluie. Les espaces verts comprennent des rues piétonnes, des places et des corridors verts. Le transport durable est encouragé avec des pistes cyclables, un accès au transport en commun et des bornes de recharge pour véhicules électriques. Ces initiatives encouragent le transport écologique, réduisant l'impact environnemental du projet. Royal Mount vise à établir une nouvelle norme en matière de développement écologiquement responsable à Montréal. En intégrant des pratiques durables, il contribue à un environnement plus sain et plus vivable.
Ce projet est appelé à redéfinir le paysage urbain de Montréal. Le succès de Royal Mount repose sur son accessibilité et son intégration au réseau de transport. Des investissements importants dans l'amélioration des infrastructures garantissent une connectivité transparente. Les échangeurs routiers des autoroutes 15 et 40 sont reconfigurés pour améliorer la fluidité de la circulation. Les routes existantes sont élargies et de nouveaux points d'accès sont créés pour répartir efficacement la circulation. Royal Mount est idéalement situé près de la station de métro de la Savane, offrant un accès facile au réseau de métro de Montréal. Les promoteurs collaborent avec la STM pour explorer la possibilité de prolonger les lignes de bus afin de desservir le développement. Des pistes cyclables et des allées piétonnières dédiées relient les réseaux existants. Des supports à vélo sécurisés et des douches seront disponibles pour les cyclistes. Une approche multimodale des transports réduit la dépendance à l'égard des véhicules personnels. Ce projet est appelé à redéfinir le paysage urbain de Montréal. Les projets d'envergure comme Royal Mount génèrent d'importantes retombées économiques. Pendant la construction, des milliers d'emplois sont créés dans divers secteurs. Une fois opérationnel, Royal Mount offrira des emplois dans les domaines du commerce de détail, de l'hôtellerie et du divertissement. L'afflux de visiteurs et de résidents profitera aux entreprises environnantes. L'augmentation de la circulation piétonne et des dépenses de consommation crée des opportunités de croissance. Le succès du projet pourrait attirer de nouvelles entreprises, stimulant l'activité économique. Royal Mount devrait générer d'importantes recettes fiscales pour Montréal. Ces recettes peuvent être réinvesties dans les services publics comme les infrastructures, l'éducation et les soins de santé. En créant des emplois et en attirant des investissements, Royal Mount contribue à la croissance et à la prospérité de Montréal. Ce projet est appelé à redéfinir le paysage urbain de Montréal. Royal Mount aura un impact durable sur le paysage urbain de Montréal. Sa conception novatrice et son engagement envers la durabilité établissent une nouvelle norme en matière de développement urbain. Royal Mount crée un sentiment d'appartenance, alliant commerce, espace résidentiel, divertissement et espace public. Le développement par phase permet une flexibilité et une adaptation aux tendances. Les pratiques durables s'alignent sur l'objectif de responsabilité environnementale de Montréal. Royal Mount sert de modèle pour les développements futurs. Son impact s'étend au-delà des frontières physiques, influençant les principes d'urbanisme. Royal Mount témoigne de l'engagement de Montréal envers l'innovation et la durabilité. Son héritage sera celui de la transformation, établissant une nouvelle référence en matière de développement urbain. Ce projet est appelé à redéfinir le paysage urbain de Montréal. Royal Mount illustre la tendance des développements à usage mixte dans les centres urbains. Ces projets offrent des solutions à la densité croissante de la population et à l'espace limité. En combinant des espaces résidentiels, commerciaux, de divertissement et publics, ils créent des quartiers dynamiques et piétonniers. Cela favorise le sentiment d'appartenance à la communauté et réduit la congestion routière. Il est crucial d'équilibrer les aspirations des promoteurs, les besoins de la communauté et la vision de la ville. Une communication.